Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc c'est une vidéo qui consiste à vous présenter des concepts de la communauté ou même un concept qu'un youtubeur a créé en première personne. Donc voilà, j'aimerais bien vous en parler et voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors je vais commencer directement par les concepts de la communauté. En fait, tout simplement, la communauté, elle aimerait bien avoir un concept où on pourrait offrir des skins. Donc, c'est vrai que ça, moi, franchement, ça me plairait de pouvoir faire des cadeaux à des abonnés ou même à mes potos, genre d'un skin que je n'utilise plus ou que je l'ai acheté et que voilà, maintenant il m'intéresse plus parce que j'ai mieux. Donc, voilà, franchement, s'ils mettraient ça, ce serait vraiment pas mal. Après, il y a un autre concept qui serait vraiment encore trop bien stylé. C'est un concept pour modifier son skin entièrement, payant ou gratuit, peu importe. Mais qu'ils mettent un concept comme ça, quoi. On puisse choisir la couleur, mettre des lunettes. Parce que là, ils ont mis, dans la saison 3, ils ont mis quoi? Qu'on pouvait customiser son bouclier, ou mettre un sac à dos, ou mettre des ailes d'ange. Et bien pourquoi pas pouvoir customiser la couleur de son bouclier ou de ses habits, modifier le casque, modifier s'il porte des lunettes de soleil, des lunettes de ski, après même des cigares dans la bouche, franchement, tout customisable, ce serait vraiment de la tuerie pour des bonnets, les chaussures, les pantalons et tout, franchement, ce serait vraiment de la tuerie. Et là, je vais vous parler d'un concept qu'un youtubeur a créé qui s'appelle Dan Mac. Et en fait, ce concept, c'est un concept de vue à la première personne. Donc, il a tout simplement utilisé sûrement une scarage d'un jeu de FPS, genre Call of Duty ou Counter-Strike, je sais pas. Et en fait, il a mis une image en arrière-plan fixe. Et voilà, bah, il a fait une petite animation là-dessus. Et je trouve que ça pourrait donner vraiment bien. Après, faut pas que on puisse faire comme dans PUBG. Choisir ce qu'on veut. Donc ce que je veux dire par là, c'est genre quand on est en partie et qu'on a une vue en troisième personne, on pourrait changer et le mettre en première personne. Moi ça, j'aimerais pas parce que je trouve ça nul. Franchement, personnellement, je trouve ça nul. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils nous fassent un mode de jeu temporaire uniquement en première personne, ou alors qu'ils nous donnent l'opportunité d'aller dans des serveurs première personne et qu'il y ait des serveurs aussi troisième personne. Comme ça, ben voilà, on peut vraiment choisir ce qu'on veut, mais pas mélanger les deux, ce serait vraiment bête de leur part s'ils le feraient. Donc je sais qu'ils écoutent beaucoup la communauté, donc c'est totalement possible que ça sorte dans cette année ou pas, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça sorte. Donc voilà, si vous avez des autres concepts, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des retours sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. De partager aussi pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, allez, ciao, peace. Yummy, bro.